Bah ouais, on est très déçus parce que voilà, on a fait une deuxième mi-temps un peu catastrophique. Hein. On n'arrivait pas à avoir le ballon, on n'arrivait pas à sortir de chez nous. Donc, ouais, c'était compliqué, beaucoup de fautes. On avait du mal sur les séquences défensives à repartir avec une pénalité pour nous ou un ballon gagné. Donc, si voilà, ils n'avaient pas raté quelques points au pied, ça aurait pu être plus lourd. Je pense, après notre séance en deuxième mi-temps, au début, on s'est un peu arrêté de jouer. Et puis rien n'allait, voilà, on a enchaîné les fautes, on a enchaîné pas mal de choses. Ouais. Négative. Ouais, on fait une première mi-temps. À chaque fois qu'on est dans les 22, je pense qu'on fait des belles séquences. On est patient, on marque. Même en seconde mi-temps, bon voilà, on a ce départ, on marque un essai rapide à deux temps de jeu. Mais ouais, il y avait des choses à remédier. On prend des séquences défensives déjà en début de match où on sentait les prémices un peu, où on avait du mal à avancer sur nos séquences défensives. Mais après, ouais, on a un petit peu sombré. Un peu dans tout, voilà, un peu dans la défense, un peu dans la gestion, un peu dans tout. Après, c'est difficile, on a vraiment très peu vu le ballon en deuxième mi-temps, donc on a beaucoup défendu, on a utilisé l'énergie, on a fait des fautes, donc compliqué de s'en sortir. Ouais. Paradoxalement, on aurait pu avoir la balle de match, voilà. Oui, on l'a, d'après l'arbitre d'un but, il dit essai quand Raph dans la... Mais bon, c'est pas mérité sur le match, avec les points qu'ils ont ratés au pied, mais ouais, c'était la balle de match, et on l'a pas concrétisé, Albiol l'avait mis contre nous, et on n'a pas été capable de le mettre, mais bon, voilà, il faut... C'est ce que nous ont dit les coachs, hein. Il va falloir rebondir, parce que le prochain qui arrive, celui-là par contre, il est vital, donc celui-là par contre, s'il y a un faux pas, c'est terminé. Celui-là, on reporte à chaque fois l'échéance, c'est vrai que ça commence à être compliqué, mais on a encore espoir, donc on va d'abord essayer de batailler, de faire un très bon match à domicile contre Biarritz. Parce que c'est pas dur, à force, on a l'impression de toujours un peu la rengaine, quoi. Ben, on est parti tôt ouais, dans cette remontée, on est parti, ça fait 2 mois qu'on dit que chaque match, voilà, il faut s'accrocher, c'est dommage de prendre 0 points, voilà. C'est quand même dommage au vu de la physionomie où on est à 16-18 je crois 20 minutes de la fin, un truc comme ça, donc c'est dommage de prendre 0 points, mais ouais, c'est, on y laisse de l'énergie tous les week-ends, mais voilà, on est... On y croit, ce groupe y croit, je pense qu'on a les capacités pour aller chercher une 5e place et on s'attache à ça. C'est chaud, mais bon, la qualif, vous y croyez toujours. Bah ouais, c'est... Bah franchement, sinon on plie les valises et on va pas jouer. Hein. Non, il faut qu'on batte Biarritz, faire un bon match et après, avant une semaine de repos, il y aura un très très gros match en Narbonne.